Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas très longue. Je suis passée à action aujourd'hui. Coucou! La Fifi! Oui, je suis passée à action aujourd'hui pour une chose ou deux. Attention. Bulldozer est sur la table. Bon, on va attendre qu'elle ait fini de passer, repasser. Ça y est, elle est couchée. La pépette à l'air, comme on dit, les quatre pattes en l'air. Donc, on est tranquille 5 minutes. Et ce que j'ai acheté là aujourd'hui, donc c'est un seul article hein, en plusieurs quantités. Je n'avais pas prévu de l'acheter. Mais j'ai prévu de vous faire un tuto dans la semaine, dans les jours qui suivent, je vais vous faire un tuto. Donc j'ai besoin de cet article. Donc c'est un parce que j'ai vu que dans la vidéo où je vous demandais vous rappeler votre avis, pour que vous me donniez votre avis sur ma chaîne, ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, ce que vous vouliez voir, ce que vous voilà, etc. J'ai vu que plusieurs d'entre vous m'ont parlé de crochet. Et j'ai un chat dans la gorge. Il est sur la table, mais il est dans la gorge aussi. donc, je vais vous faire de temps en temps des petits tutos crochet. Parce que bon, je sais aussi faire du crochet. Et là, donc, j'avais vu la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, de la laine. Et là, j'ai vu qu'elle ne serait plus en vente. Le code-barre, elle était barrée. Et dans le rayon, il n'y en avait plus beaucoup. Il y avait resté quelques couleurs, mais qui ne me plaisaient pas. Quitte à vous faire un tuto, vaut mieux quand même que je fasse dans les couleurs que moi j'aime. Et les couleurs qui restaient me plaisaient pas, et quand je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait un gros bac là où il y a les promotions avec plein de ces pelotes. Mais alors, ils avaient mis une étiquette comme si c'était une promo, alors que c'est le prix normal, mais bon. Et là, il y avait toutes les couleurs, et donc j'ai pu prendre les couleurs que je voulais. Alors, tout ça pour vous dire. Alors, j'ai pris, voilà, c'est cette laine-là. Je vous la montre plus près. Ah oui, vous voyez à l'envers, mince. De toute façon, je vais vous mettre une photo. C'est la Pure Wool Warn, voilà. Donc, Alison and Mae. Donc, elle, alors, Fifi, bouge, elle est dans ma laine. Alors, c'est de la... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette laine? Je cherche en français. C'est de la laine... Ah ben, 100% laine. Voilà. Donc, il n'y a pas chipoté. C'est 100% laine. Je n'avais même pas vu au magasin. Elle se tricote avec des aiguilles ou crochets 3,5-4. Voilà. Et au niveau... de l'entretien de cette laine, alors elle ne se lave qu'à la main. Alors, par contre, c'est de la laine, mais alors c'est de la laine qui a des petits plouplous, vous voyez. Voilà, c'est parce que j'ai brossé un petit peu Fifi avant, il me reste des petits poils. Elle avait des gros nœuds autour de la queue, du coup je les ai enlevés. Alors, ça se lave à la main, pas de séchoir bien sûr, pas de fer à repasser, voilà. Alors, pour faire un pull en taille 40 de cette laine-là, il faut environ plus ou moins 700 grammes. Et là, ce sont des pelotes qui font un certain poids. J'ai trouvé. Hein. Alors, ils m'ont pas marqué de poids.
Je ne trouve pas. Ah si, voilà. Alors, c'est des pelotes de 100 grammes avec 250 mètres de fil. Voilà. Donc, voilà la couleur que j'ai pris. Alors, j'en ai pris 4 comme ça. Hop. Et j'ai pris 2 autres couleurs. Celle-ci, un peu vieux rose. Voilà. Donc, j'en ai pris que 2 là. On verra. Donc, mais elle est douce hein, quand même. Bon. On verra. Je pense pas qu'elle va. Bon, elle n'a pas l'air de gratter, gratter. On m'avait dit quand même, j'avais posé des questions sur Facebook. On m'avait dit qu'elle pouvait gratter, mais j'ai pas l'impression. On verra bien à usage. Que vous dire d'autre dessus le prix? Alors, elle est à 2,69 €. Donc, j'ai dit, elle n'est pas en promo, c'est son prix normal, malgré qu'elle était dans un bac de promo. Alors, il y a du rose comme ça, il y a du blanc cassé, enfin, oui, c'est un blanc cassé comme ça. Il y a du bleu, un peu bleu roi, il y a du gris, un marron, un petit marron un peu clair, voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait en couleur. Elle m'a l'air belle, donc on verra quand je ferai le tuto ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien vérifié les bains. Je vais en regarder encore hein, que je me sois pas trompée. Normalement, je ne me suis pas trompée dans les bains, j'ai bien pris tout. Pareil, oui. Donc voilà, vous voyez, c'était une petite vidéo, mais comme je vous ai dit, comme je voulais faire un tuto, j'ai dit avec le tuto, je ne vais pas prendre de la laine chère, malgré que celle-là, c'est quand même déjà un bon prix hein, chez Action, puisque les moins chères, elles sont à 200, à 200, où je vais là, waouh, le jour qu'il y aura des pelotes à 200 € chez Action, bonjour. Elles sont à 99 centimes les moins chères. Donc voilà. Bon, pour mon tuto, il ne va pas me falloir les 6 pelotes. Je vais voir combien il va m'en falloir. Peut-être une et demie, peut-être. Ouais, une et demie ou 2. Je verrai. Et avec le reste, je verrai ce que je vous ferai. Là, bon, je ne vous en dis pas plus, hein, vous verrez lors de la prochaine vidéo pour le tuto. Sinon, ouais, j'ai vu une autre laine. Alors, je l'ai vue où cette laine? En vidéo, je crois, ou sur Facebook. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas vue. Ils ont sorti une laine avec, ça fait un peu fourrure. Et là, je n'en ai pas vu, donc j'irai revoir dans la semaine si... S'il y en a, parce que ça elle m'a l'air belle, mais bon, il faut que je vois au toucher ce que ça donne. Et là, c'est des très grosses pelotes. Donc, je sais pas les pelotes de combien de grammes. Et j'ai regardé sur le site, je les ai pas vues sur le site. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Et donc, je reverrai dans la semaine ou la semaine prochaine pour voir ce que c'est ces pelotes de. On dirait un peu de la fourrure. Je sais pas, si vous les avez vus, bah dites-moi ce que c'est exactement et puis ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est les seules choses que j'ai achetées, bon, à part, j'ai acheté des enveloppes bulles et puis du papier toilette. Très important le papier toilette. C'est tout ce que j'ai acheté. Puis ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai acheté. De toute façon, le rayon loisirs créatifs, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Donc, j'y jette un œil, mais alors vraiment comme ça à la volée. Mais je m'y attarde vraiment plus. Là, j'ai regardé bon, pour le rayon laine. Et vraiment, le rayon loisirs créatifs, je m'y attarde vraiment plus. Je m'y intéresse plus pour
pour l'instant. Voilà. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même, malgré ce qu'elle soit très courte et qu'il n'y avait qu'un seul article à voir. On se retrouvera très rapidement donc pour la suite pour cette laine-là, pour le tuto. Je vais essayer de vous faire ça cette semaine, hein, dans la semaine. Et puisque là, comme ce sera un tuto crochet, il va y avoir beaucoup de montage à faire au niveau de ma vidéo, donc ça va être un peu plus long. Donc je vais voir pour faire ça la semaine et peut-être le montage dans le week-end pour que vous l'ayez début de semaine. Je vais essayer de me tenir à ce timing si personne ne m'embête. Ah, Wifi, oh, ton œil pleure encore. Oh, il est petit pleure. Tu n'as pas il pleure? Maman elle va regarder, c'est un petit mouchoir. Petit mouchoir, j'ai toujours des petits mouchoirs dans la poche. Fifi a toujours les petits yeux qui pleurent. Montre à maman. Mon Dieu, maman. Oh, des petits yeux. Hop, attends, t'en as deux. Hein. Voilà. Oh. Toujours un petit peu les yeux qui pleurent. Mais bon. Le matin, maman, elle les fait avec des gouttes. Bisous. Bisous. Tu fais pas la gueule à maman? Parce que maman elle a enlevé les nœuds. Elle avait les nœuds au cucu alors. T'aimes pas hein, qu'on enlève les nœuds. Elle, pour la brosser. Enfin, je la brosse pas, je la peigne. Enfin, je la brosse. Comment? Je la brosse avec les petites brosses, avec les petites dents en fer là. Donc ça, je brosse comme ça. Et après, j'ai un peigne pour les nœuds. Et là, ouais, non, ça y est, il n'y a plus de nœuds. Et après, j'y vais pour les nœuds. Là, c'est autre chose, les nœuds. Hein? C'est autre chose pour les nœuds. Donc, c'est. Alors, il faut y aller comme ça. Voilà. Fifi, viens. Elle fait le tour de la table et puis moi je me. C'est une vraie gymnastique, elle, pour lui enlever les nœuds. Hein? Des fois je dis j'irai bien la mettre une fois au toilettage, mais elle va faire tout voir à la toiletteuse. Hein, mon bébé? Oui, tu mon bébé. Parce que les papattes, là, les papattes, ils sont pleines de poils, les papattes. Mais ça, je ne sais pas les épiler. Alors, il faudrait que un de ces jours, quand même, j'amène la toiletteuse pour faire épiler les papattes. Hein? On verra. Mais il faudrait que je reste avec elle. Mais merde. Ma belle-fille, elle, enfin, bon, avec mon fils, ils ont 7 chats, je crois. Oui, 7, dont un Maine Coon. Et ma belle-fille, elle leur apprend tout bébé à les brosser et à prendre le bain. Elle leur donne le bain. Donc, ça va tout seul. Mais moi, moi, mes mères, elle n'a jamais pris le bain. Je n'ai jamais appris à prendre le bain, ni rien. Donc, c'est compliqué. Compliqué de faire la toilette. Alors, de temps en temps, j'achète. Il y a des. Comme pour les personnes, vous avez du shampoing sec. On vaporise sur le poil. Vaporise sur le poil, on masse un petit peu, puis après, on brosse. Mais dans l'eau, non. C'est même pas la peine que j'essaye, je pense. Ah non, dans l'eau, tu n'iras pas. Tu veux pas hein, prendre un bain. Crapule. C'est une crapule, celle-là. Bon, allez. On a assez papoté sur Fifille. Elle m'a mis plein de poils. Heureusement qu'on n'est pas allergique au chat. Hein. Non, mais...
Comme ça, tu m'as mis des poils partout. Allez, je vous laisse. En même temps, je vais continuer mon tricot. Bah, je vais vous montrer où j'en suis. En papotant. Donc là, je suis sur le devant. Je suis arrivée aux emmanchures. Voilà, elles sont là. Donc voilà, ça c'est le devant. Le dos est complètement fini. Hein. Donc là, il me reste encore à peu près ça à faire. Une main. Et après, on attaque les deux manches. Voilà. Les deux manches, elles seront faites en même temps. Sur la même aiguille. Là, je vous montrerai comment je fais à ce moment-là. Non, mange pas ma pelote. Je tricote donc mes deux manches en même temps sur la même aiguille. Je vous montrerai. Donc voilà. Allez, bien, vous mangez ma laine, je vous le dis. Rien de bon dans le ventre ce soir. Et là, je me suis refait une petite installation. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop. Parce que j'avais mis un sac. Hop. Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer? Voilà. Ah, ici. Voilà. Et je me suis fait une petite installation avec les bacs. J'arrive. Vous voyez? Les bacs d'action. Donc, j'ai mis toute ma laine, enfin toute ma laine, tout mon ouvrage du moment. Comme ça, j'ai tout à portée de main, à côté de moi, près de mon aquarium. Là, il n'est pas allumé. Hein. Attendez, si je vous l'allume. Hop, voilà. Oh, si je vous l'allume, vous voyez moi. Ah si, vous voyez bien. Voilà, mes deux poissons rouges. Ah, lui, il est gros. Hein. Il mange bien. Voilà, donc comme ça, je tricote près de mon aquarium. Enfin, c'est l'aquarium à chouchou, hein, mais bon, c'est pareil. Donc voilà, et puis moi, je suis au chaud, j'ai le radiateur à côté de moi. Donc voilà, allez, je reviens sur la table, 2 secondes pour vous faire le bisou. Donc voilà, comme ça vous avez vu mon petit coin où je tricote, voyez, ici, avec ma boîte à tricot, mon petit aquarium, le petit radiateur qui fait bien, et derrière là, la télé, tranquillou. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.